coordonnateur et recruteur du mouvement. Madame la Première ministre, nous avons été en Angleterre. Nous avons été en mouvement. 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 Voilà. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez de partout. Mesdames et messieurs, Toyena Lomango, je vous dis. Mesdames et messieurs. Goma menacé. Corneille Nanga menace de prendre Goma. Nous allons traiter cette information. Et puis, Toko Sololana Bino Nenge Nini. Makamboye Koleka, dans la République démocratique du Congo. Et puis, Toko Bete Lamino Masolo, presse Penge. Vient de tout dire, presse Penge à lobby, ou est-ce qu'il y a l'oba? Presse Penge à lobby. À lobby, il y a une nomination, mon gros bidon. À lobby, dans un moment où Tozali, il faut nommer un ministre de défense, Oyo Azali, Azalaki militaire. Azalaki militaire. On ne peut pas nommer une personne qui n'est pas ministre de défense à la civile dans le moment où. Nous allons analyser et puis nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe réellement entre opposition. Tu éviter ce qui peut être pour Nabango. Il faut penser qu'il y a un peu de temps. Il faut que tu aies un peu. Alors, pétition contre la non investiture du gouvernement soumis à Judith. Nous allons en parler. Et puis à part cela, grande nouvelle, mesdames et messieurs. La nouvelle vient de tomber. Mesdames et messieurs, dossier coup d'État raté. Eko bimisaka kamakambo ebele. Bah, si j'ai les aïebélé, toko développé, toko loba, toko sa, l'agnos tout, ou toko yko loba. Vous avez suivi la vidéo au début. Comment est-ce que le recruteur Yamoto Oazalaki, na kati ya dossier à coup d'état, il a expliqué. Alors, nous allons commencer avec ce dossier. Les Américains aujourd'hui, Badali Batomoko Oewapi, ils ont créé des systèmes encore très avancés. Tu n'as été comploté avec bateau au bas au linga ko soutenir la République démocratique du Congo. Alors en ces moments, il est impossible de faire confiance dans le pays où ils allaient contourer Misso. Vous avez vu vous-même la complicité totale. Il y a Kenya, il y a qu'on soutenir le M23. C'est pour cela qu'on a compris, Bissonio surtout, pourquoi William Ruto a toujours soutenu le M23, a toujours soutenu Paul Kagame dans tout ce qu'il fait. Akeina aux États-Unis, le président William Ruto. Aux États-Unis, il a dit quoi? Le problème de la RDC n'est pas militaire. Le problème de la RDC, Ezali, il faut négocier avec les M23. Il a été clair. Il y a un moment où il y a même le Kenyan na kati ya M23. C'est pour cela même l'EAC, les troupes kenyanes, où il y a EAC, au moment où il y a un moment où il y a un M23, il y a une photo. Je vous le rappelle. Il y a une photo, il y a une capture, il y a un bruit. On pensait peut-être que non. Oh, mais oh, nengeni ni boyi. On s'est posé la question. Alors qu'on avait la réponse devant nous. La réponse était claire. Réponse est Zalakinune, mesdames et messieurs. La réponse était ceci. La plupart de M23, oh, Zalakina, Katia M23, Wana. La plupart.
bazalaki bato oyoyo ndambu bakota na troupe kenyan bakomaka bakomaka koko sala koko comment je peux dire bakomaka na ba idée to bakomaka na ba projet ya koyeba na ko avancer plan na bango oyo ezalaki ya koyeba na ko déstabiliser la RDC. Mesdames et messieurs, le Kenya aujourd'hui participe na plan ya koyeba na ko déstabiliser la RDC. Mesdames et messieurs, il ne faut pas tromper sa confiance dans ba pays voisins aux entourés biso. Quel que soit le cas, on a vu ici ndengeni na Angola comme ko balukela biso. L'invitation envoyée à président Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez suivi, mesdames et messieurs. Vous avez suivi. Donc aujourd'hui, même Sassou Nguesso est en train de participer à la destruction totale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Nanga est en train de menacer la République démocratique du Congo. Nanga, je vous ai toujours dit que non, Nanga ndenga zali wana. Azali la tana bombe mokote oyé moko azalaka nango batambulaka na yango. Rien. Mais Nanga il est soutenu à 100% par Paul Kagame. À travers le militaire rwandais, et puis soutien total, il y a les États-Unis, et puis soutien total, il y a la communauté internationale. Parce que dans tout ce qui se passe, mesdames et messieurs, sachez-le très bien, les Occidentaux basali à 100% sur tout ce qui se passe à l'est du Congo. Eh! Bah occidentaux basali à 100% na union surtout et que les République démocratique du Congo mesdames et messieurs. Bah ko sa bisoté, bah même biso gauche à droite, mais les occidentaux c'est eux qui financent, c'est eux qui facilitent. Nyon surtout auto comme na République na est la République démocratique du Congo. Alors mesdames et messieurs, il y a une information qui circule. Nous allons lire pour que vous puissiez comprendre. Parce que, na minute au bande kunanga, Goma est menacé. Goma est menacé comment? Toko tangela bino. Goma est menacé pourquoi? Écoutez, selon une source sur place au nord Kivu, la ville de Goma serait sur le point de tomber entre les mains de l'AFC de Corneille Nanga. Dans les heures qui suivent, nous allons vous préciser si le FARDC ont toujours le contrôle de la situation ou pas. Mesdames et messieurs, Bino Bozana Est de la République démocratique du Congo, écrivez-nous sur les commentaires. Ndengeni ni position ya Goma kuna. Écrivez-nous sur les commentaires. Position ya Goma eza ndengeni ni. Parce que Corneille Nanga ba encercler ba position ebele ya ko ba nanini ko envahir Goma. Envahir Goma ne pas seulement qu'on envahir Goma. Na ba localité tout. Donc Corneille Nanga ba komi ko bimisa ba stratégie, ya ko yeba na ko infiltrer même une population, ya ko infiltrer même ni population, ya ko kota sikobe na kati ya Goma pour yeba na yote to kangi Goma. Alors que déjà na ba localité na ba ville mususu, na ba cité mususu ba ko kokate. Mais Corneille Nanga avait fait une déclaration en disant que non, Bakozwa Goma dans les 48 heures. Déjà, je pense qu'il y en a les 48 heures. Et Koka qui déjà, si c'est Lelo, si je ne me trompe pas, parce que hier, donc, c'est la même émission, mais perturbation, un courant, un peu ça qui m'a boulot. Ces derniers temps, déjà, à Snell, à Zongeli, il y a une bêtise. Alors, il y a là, Hermoko. Alors. Corneille Nanga est en train de menacer de prendre la ville de Goma. On s'est posé plusieurs questions. Est-ce que Corneille Nanga a la capacité de menacer la ville, a la capacité de menacer de prendre la ville de Goma? Avec toutes les analyses qu'on avait faites et puis des réponses autosuites, il est impossible que Corneille Nanga soit ville à Goma. Si le M23 ba mekana ndenge nostu ba zo ville à Goma te,
Alors, nengeni ni Corneille nanga akoki kozwa ville ya Goma. Impossible. Mais nous pensons ceci. Corneille nanga, ils ont planifié un plan. Oh, ouais, pezalinin. Ils vont commencer à bombarder même les positions des civils. Pour que, c'est l'armée qui a attaqué. Et puis, bah, on va occuper ma position. C'est ainsi que nous alertons le service de sécurité et puis le gouverneur militaire. Il faut prendre de bonnes précisions. Parce que na ministre, le M23 et puis l'armée rwandaise ont pris de grandes stratégies pour déstabiliser plusieurs positions de FRDC. Malgré les avancées de nos avions, malgré les avancées, il y a ba Wazalendo. Mais il ne faut pas, mesdames et messieurs, il ne faut pas céder. Na oyo nyonso tubiso, tokoyi komona na miso na biso. Parce que Corneille Nanga aujourd'hui est en train de menacer la République démocratique du Congo. Oui, mais si nous restons pas vigilants, nous allons voir que nos cités moko ekei, cités moko esalibwe. Mais pourquoi Corneille Nanga est seulement en train de menacer de prendre Goma? Parce que ba minerai ebele et vendi à l'est de la République. Na Goma kuna ba minerai ebele et vendi. C'est pour cela, à travers l'appui de la communauté internationale, de la France, des États-Unis, Corneille Nanga azako continue à mettre la pression avec ba troupe naye, que ça la pression à Koloba qui était ba ko récupérer Goma, ba ko récupérer Goma. Je pense que non, ils vont finir en enfer. Bakoko me la biso ba cadavre avant même ba atteindre ville ya Goma. Je vous dis très chers abonnés. Goma ne va pas tomber. Goma ekotika la Goma ekozala ya ba congolais ekotika la jamais ko kende na maboko ya ba étranger. Quelle que soit le stratégie au Corneille Nanga ba Paul Kagame ba ko sala pour récupérer ba yi ba biso Goma. Ekotika la ko sala maté. Ils ont fait sortir les stratégies à Koulobaki. Il faut encercler Nord Kiv. Mesdames et messieurs, je vous fais cette émission avec colère. Il faut directement, s'il faut tuer Corneille Nanga, il faut seulement qu'on kendera tout droit au but. Parce que on a assez écouté. Toyo ki mingi o Corneille Nanga alobi, toyo ki mingi o ba koloba, mesdames et messieurs. Alors, c'est le moment de prendre des grandes décisions. Nous demandons au service de sécurité, le FRDC, il faut déployer plusieurs militaires na Katia Goma. Il faut déployer plusieurs militaires. Même sur na Katia Ville, il faut déployer des militaires. Parce que le plan du Rwanda, la ministre, ils ont le plan moko. Bah, ils vont kota siko na kati ya Goma. Et puis, bah, ils vont sala désordre. Bah, ils vont sala ba stratégie moko très bizarre pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Il ne faut jamais baisser le bras contre ba impérialiste wana. Parce que bango ba ko luka à tout prix akoye ba déstabiliser la RDC. Goma eko tombe to, mesdames et messieurs. Goma eko tikala, ya peuple congolais, ya bisoba congolais. Si Corneille Nanga est en train de comploter avec les ennemis de la RDC pour que Goma eba na kukweya, alors je vous confirme, mesdames et messieurs, le président Félix Antoine Tshisekedi a mis en œuvre des stratégies pour arrêter et terminer la guerre à l'est du Congo. Bon, mon ami, n'engeni ni matanga ezala ki kuna ya kusakanati. Pourquoi ils ont eu l'idée de menacer Goma? Bayokana ki boy. Paul Kagame ye a menacé Goma.
De l'autre côté, l'Angola va menacer le Congo central, va menacer les Bandundu, Chikapa et tout consort. C'était le plan pour la Koué Bananini pour attaquer Bissot de tous côtés. De l'autre côté, l'Ouganda est en train de financer, est en train de renforcer le Rwanda. De l'autre côté, l'Angola a co-facilité le Rwanda contre la Bissot dans le Congo central. Bandundu, Chikapa et tout consort. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, Tozali seul face à ba pays wana nyo surtout ba komi ko luka biso. Mesdames et messieurs, nous devons se prendre en charge parce que na minute oyo bande ko nangai makambweza mabe makasi. Je vous dis les choses et ko tambola mabe makasi très cher congolais. Le M23, l'armée rwandaise. Le M23, UPDF, l'AFC de Corneille Nanga, Bakomi ko préparé une attaque contre Goma. Tout quoi alerté déjà, très urgent. Très urgent, Corneille Nanga. Ako préparé Ndengenyo surtout Oyo Ako, Yebana ko attaquer Goma. Bako sa la ba stratégie, Bako luka Ndengenyo surtout, Bako kiko luka. Pour na kouyeba na nini, ba yeba na kou attaquer Goma. Parce qu'ils ont compris que non, par rapport à la stratégie, non, surtout ba ko sala pour déstabiliser le Congo, et ko sala en vain, et ko simba ata mokiete. Et puis, et l'on ko matisa Kagame et Kanda et Zalu que, stratégie, non, surtout ba ko sala. Ba ko mona déjà que non, ce qui ba salibou, l'armée congolaise, et zon ko arrêté bango, et puis l'armée congolaise, et ko coincé bango contre mur. Ouais. Alors, écoutez ceci. Ah, ben du coup, dossier Malanga. L'administrateur général adjoint de l'année aurait partagé un repas avec Malanga. Deux jours avant le coup d'état manqué, extrait tiré de l'émission de notre frère. Bande Konanga. Bande Konanga. Dossier Malanga, Christian Malanga, l'homme qui a fait le coup d'état raté. Il y a des révélations au Kubimara Rase Kubima. D'après source moko oyebimelibiso, d'après source moko oyekomelibiso, il se peut que l'administrateur général adjoint de l'ANER aurait partagé un repas avec un Malanga deux jours avant les coups d'État manqués. Il faut ce qu'on mette tout la question. Le but de ces repas, on va partager qui ensemble. C'était pourquoi, pour quelle raison. Alors, pour ne pas entrer en profondeur, nous demandons à la justice d'interpeller l'administrateur général adjoint de l'ANER. Parce que toi, le sous n'a pas santé, toi, tu es comme moi, tu es comme moi dernièrement. Toi, sur la posante toyo, katoto mona, et loko toutaruko mona dernièrement en somme. Et ça, n'engue moko, deuxième stratégie, ou ba komi ko sala, ou Sassou soit komi ko invite le président de la République. Pourquoi Sassou Nguesso a préféré seulement d'inviter Félix Antoine Tshisekedi? Alors qu'il est au courant, que na minute, ou le président de la République, ko bimanae, komi wan milinga milinga. Et puis, tension entre les deux pays, et Zalissou sous favorable été. Mais il a mieux préféré seulement d'inviter le président de la République à Brazzaville pour qu'il y ait un espace où il y a un vide. Où le président de la République va la tête. Ils vont profiter à faire quelque chose. Oh, peut-être inattendu. Ndengemoko en Angola, ils ont déjà commencé à exécuter le plan de refoulement des Congolais.
C'est pour cela Sassou est en train de chercher vu du moko quelque part au Komonana pour que baye bana ko kotise la biso mbala moko ba Rwanda yango totalement. Mesdames et messieurs, je vous dis clairement, à part la situation de Goma, il faut aussi qu'on soit sérieux totalement sur la situation au Koleka, to Oeleka qui y a coup d'état raté parce que jusqu'à présent, Kombo et Kobima, c'est Kobima. Donc, Singama Tembele, Kombo et Kobima, Kombo et Kobima, Kombo et Kobima, Kombo et Kobima. Écoutez, plus de 65 terroristes RDF ont été tués, dont un lieutenant-colonel des forces spéciales de l'armée rwandaise, 75 blessés par le bombardement de FARDC et la SADC autour de Sake. Depuis quelques jours, la présence de l'armée kenyane se confirme aux côtés de terroristes M23, des militaires KDF sont capturés et d'autres tués. Présence de militaires kenyans au sein du M23. Yawana tobanda ki ko beta c'était très cher Congolais. Tobanda ko loba ke non le Kenya n'est pas sincère. Le Kenya n'est pas sincère. William Ruto n'est pas sincère. Aujourd'hui, on vient de confirmer la présence de militaires kenyans au sein du M23. Et puis, on a capturé plusieurs. Ce n'est pas pour rien au moment que Joe Biden a signé un accord avec le Kenya. Parce que le Kenya, aujourd'hui, a participé dans un complot très noir où ils allaient soutenir le M23 et puis le Rwanda. Parce que dans la minute, le Rwanda, Azana plan moko ou soit ça allait meilleur vis-à-vis la communauté internationale parce que la communauté internationale bango balukaka bantu lokola ba Rwanda balukaka bantu lokola ba bantu lokola ba Joseph Kabila balukaka bantu oyo ba Paul Kagame ba Museveni bango balukaka bantu oyo bazali soumis ndenge moko na ndenge ezo kende pe na nina comment le nom João Lourenço. João Lourenço, aujourd'hui, il est manipulé par les Occidentaux. Il est clair que non, à la fin de toute chose, João Lourenço sera aussi rejeté. Comme Ndenge Zalakananani, nanana Joseph Kabila. Kabila, il a été rejeté à la dernière minute par les Occidentaux. Kabila, il a été rejeté par les Occidentaux à la dernière minute. Il ne faut pas, très cher Congolais, tomber maman a sentiment yabato oyoyo ba koluka koyeba na ko bebisa la République démocratique du Congo. Alors mesdames et messieurs, presse penge alobi Presse penge alobi que non, Kabila a nommé moto o azali militaire te nakati ya ministère ya défense. Presse penge alobi, Félix a nommé moto azali militaire te nakati ya ministère ya défense. Alobi li sou sou que non, Félix Antoine Tshisekedi a sali ba nomination moko bidon. Dénomination o azali atana sens moko te. Ma nomination, mon corps terre à terre, il a trop parlé. Presse Penge, à lobby, à Kokaki Koloba. Il a beau parlé à lobby, Kitoko, à lobby, na Kitoko. Mais est-ce que Presse Penge peut se rappeler pendant le régime de Kabila? Kabila avait nommé plusieurs personnes dans le ministère de la Défense, mais Badaki, ma militaire, t'es. Bossa la recherche, pendant le régime de Joseph Kabila Kabange, il y avait même des ministres. Wapi, badala ki na défense. Ne batika la, koza la ba militaire te. Actuel ministre de la défense,
y a France, si je ne me trompe pas, Aza militaire. Ouais, je vous dis, actuel ministre, il y a défense, il y a France, il n'est pas militaire. Il n'est pas seulement obligatoire pour nommer une personne à place, il y a défense, il faut avoir la gaka militaire. Kabila avait fait. Kabila avait nommé plusieurs ministres dans la défense. Oh, ouais, puis Batikala, vous avez la militaire, t'es. Est-ce que Prince Pengue il est conscient que dans le régime passé, Kabila avait nommé de personnes en place, il y a ministère, il y a défense. Mais il y a un militaire. Et puis Prince Pengue a dit que est-ce qu'il peut nous dire, pendant le régime de Hippolyte Kanembe Kazembere, est-ce qu'on était en guerre avec le Rwanda? Non. Mais Kabila avait signé les accords avec les Rwandais pour n'être Kimia et Zalana Est. Parce que Kabila n'avait pas l'idée de combattre les Rwandais parce que Aline Ndenge Moko. Il avait trouvé bon de faire un accord qui était Yakoué Balaropé, ça va minérer Nabiso pour que toi Bundate calme et Zala Batika est tranquille avant d'anaï. C'est ça l'idée de Kabila pendant son règne. Mais le rôle de Tshisekedi, du Félix Antoine Tshisekedi, il est congolais de père et de mère. Il n'accepte pas de céder nos minéraux dans ma boko yaba occidentaux. Non! Tshisekedi aligné en côté. Tshisekedi cherche à tout prix le bien de Congolais. Tshisekedi est en train de tout chercher pour n'être guerre à Est et bana kozala. Et bana kozala dégagé et bana kolongwa. Non que non. Pendant le régime de Kabila. Population est là qui bien, population est là qui bien. Non, mesdames et messieurs. Tout ce que vous voyez ici au Congo, batonia surtout, pour Kabila, pour à tout prix, régime ya Kabila, et ben, la cause a les sous en place. Parce que pour Nabango, comment on a Tshisekedi travaillé, et comme ça, Nabango, qu'est-ce parce que pour la bongo balingi ba mona Tshisekedi a travaillé ti ba ko luka tout pour ba tsaka ba kal pour na Tshisekedi. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, très chers abonnés, pour terminer, avant de terminer, écoutez, il faut renforcer les militaires à Goma, mesdames et messieurs. Et puis, il faut faire en sorte que Toko ma vigilant. Mouvement nyon soto eko sala maya kili kili, il faut dénoncer. Mouvement nyon soto eko sala maya ndenge moko eko sepel sa yote na miso, il faut dénoncer. Parce que au moment où nous sommes, Corneille Nanga avait lancé un message en collaboration avec le militaire rwandais, en collaboration avec le M23, avec l'appui du Rwanda, de Paul Kagame et la communauté internationale. Ils ont été dotés de matériel. C'est ça l'idée de Corneille Nanga. Parce que Corneille Nanga aujourd'hui est en train de participer à la crime contre l'humanité. Ouais, je vous dis. Je vous ai dit sur l'émission, le première émission, j'avais dit que non. À part Bato Oba Kosala des ordres de l'Est du Congo, il faut aussi interpeller Joseph Kabila, ministre de la Justice. Il faut interpeller Joseph Kabila. Parce que la présence de Joseph Kabila na Katia M23 est allée à plus de 90%. On vous le dit chaque jour. La présence de Joseph Kabila na Kati. Il y a M23 et ça a plus de 90%. Parce que Joseph Kabila aujourd'hui, lokola azongi na bokondité, il n'acceptera pas ya ko baisser le bras de faire de combattre Tshisekedi. Parce que Joseph Kabila
combat Tshisekedi silencieusement. Il ne se fait pas voir, il ne fait pas de déclarations. Mais au Congo, on a déjà batonné, il va y avoir quoi attaquer. On vous a dit ici que non, la constitution, tu as pu perdre, il va y avoir côté les mélanges, toucher constitution. Ils savent très bien que non, ceux qui t'ont touché constitution, tokoye va l'avoir touché pe Joseph Kabila Kabange. Yango omoni, ba ko lingate ata seconde ya pamba tu bananini ko toucher constitution. Il est hors de question de toucher la constitution. Ndengo ko mona bango bongo po sala bango ezali tozala kaka bongo na constitution oyo ko protéger Joseph Kabila, tozala kaka bongo na constitution oyo ko protéger ba intérêt ya Hippolyte Kanambe Kazembe. Po la bango soki to simbi constitution e kozala bango nde mami mami. Yango moni ba ko lingate a tout prix to ba ko simba ta constitution moke ba ko lingate po na bango to vanda ka boue. Mesdames et messieurs, Corneille Nanga est en train de menacer de prendre la ville de Goma. Alors il faut toute sa conscience na biso, il faut to longola esprit otozala ki nango ya médiocrité, esprit otozala ki nango ya critique contre le président de la République. Nous devons maintenant agir comme des responsables, agir comme des patriotes. Ceux qui ont même mis l'esprit à critiquer le président, nous risquons de perdre la ville de Goma. Nous risquons de perdre le président de la République, très cher Congolais. Ok, merci.